Vive la révolution! Nous sommes là aujourd'hui pour un seul message, demander seulement à M. Ban Ki-moon, qui est secrétaire général des Nations Unies, qui réellement aime, qui se dit aimant, amoureux de la démocratie, qui aime tous les continents et tous les pays du monde, de dire à M. Blaise Compaoré, qui est venu par un coup d'état sanglant le 15 octobre 1987, de respecter les règles démocratiques et de respecter la constitution de notre pays et de s'en aller l'année prochaine. Ça fera plus de 4 fois qu'il a, en tout cas, il organise les élections, il ne l'a jamais perdu. Et son pouvoir est couronné d'assassinat, d'insuffisance, de malgouvernance et de corruption. Le futur du Burkina est toujours rose, comme il a été toujours rose. Et peut-être même, il est devenu sombre avec Blaise Compaoré. Et les gens qui sont en train de manifester derrière moi peuvent, à chacun d'entre eux ici, assumer le rôle que Blaise Compaoré est en train de jouer à la tête de notre pays, et mieux que lui-même d'ailleurs. Parce que la population burkinabé est très mûre, très intelligente et travailleuse. Par conséquent, et je pense que tous les Burkinabés sont à mesure, à partir de 35 ans, qu'ils respectent, ils remplissent les conditions selon la Constitution, ils peuvent en tout cas devenir le président du Faso, sinon le meilleur président du Faso, mieux que Blaise Compaoré. Mais dans tous les cas, parmi la classe politique, je ne parlerai pas de l'opposition, mais l'ensemble de la classe politique burkinabé, et tous ces hommes-là regorgent des hommes et des femmes capables de diriger notre pays dignement, honnêtement et dans la paix, sans les troubles encore et sans des assassinats. Il a pu se tenir au pouvoir par d'abord la terreur, et il est arrivé par la terreur, il a dirigé par la terreur, et il a organisé des fausses démocraties, montrant seulement à l'extérieur que le pays est en démocratie. Et très malin, il essaie d'être médiateur ou de se dire médiateur, facilitateur de conflits, pendant que lui-même, il voudrait qu'on facilite même son départ. Comment vous pouvez comprendre un leader qui est arrivé par le sang, qui dirige par la main de fer, peut être, se dire leader, médiateur de la CEDEAO et des Nations Unies en Afrique. Lui-même, il n'est pas pendant qu'il n'est même pas un exemple de démocratie. D'abord, au pays, depuis plus de plusieurs années, la population est fatiguée de lui. D'abord, de Blaise Compaoré, de le voir au pouvoir. C'est pourquoi, après les assassinats de Norbert Zongo, jusqu'à Salif Neville, avant la semaine surpassée, alors la population est fatiguée. Hier, le juge Salif Neville a été enterré dans la douleur. Donc la population, Blaise Compaoré a toujours régné par cette méthode. Il a toujours fait le silence innocent. Alors, laissant faire les choses, il n'y a jamais eu de justice après ces assassinats. Donc, c'est pourquoi il a dirigé et il est toujours à la tête. Et comme il est aussi malin, il a fait des amitiés avec les Nations Unies, soit se disant médiateur, facilitateur, pendant qu'il n'en est rien, il n'a aucune image patriotique, il n'a aucun exemple de leadership à montrer dans son propre pays. D'abord, une douleur encore dans la famille burkinabé, depuis l'arrivée de Blaise Compaoré par le sang. Alors, il a régné par cette méthode, et la méthode d'assassinat silencieux, il n'y a jamais eu de jugement. Il y a l'exemple de Thomas Sankara, Norbert Zongo, il y a Oumarou Clément Ouédraogo, Flavien Nevier, il y a même Justin Zongo, et vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 2011, il y a eu des mutineries. Et lui-même, qu'il a utilisé l'armée encore pour écraser certains militaires qui en avaient marre de ses assassinats, de sa corruption et de ses injustices. C'est pour dire que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de justice avec Blaise Compaoré et il n'y en aura pas tant qu'il est à la tête du pays. C'est pourquoi d'ailleurs, la Cour pénale de l'Union africaine a pris le dossier de Norbert Zongo en main et qui a dit que le gouvernement a manqué de réelle volonté pour en tout cas trancher cette affaire. C'est pour dire que l'assassinat du juge Nevier ne va jamais connaître de justice tant que Blaise Compaoré sera au pouvoir. Donc c'est pourquoi nous demandons à Ban Ki-moon de l'aider à partir. Nous ne voulons pas de douleur parce que l'Afrique en a tant souffert de ses crimes et surtout de ses assassinats et de voir les paisibles populations souffrir et de déplacer. Pendant que l'Afrique continue d'avoir l'existence massive et des castes bleues, on a besoin plutôt des castes bleues d'aide économique plutôt que des castes bleues d'aide militaire. Tous les Africains demandent à Ban Ki-moon d'appliquer les mêmes règles démocratiques qu'ils souhaitent dans tous les pays du monde, à commencer par le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons plus de conflits. Et pendant qu'ils n'ont pas encore fini avec la Centrafrique, le Mali, le Sud-Soudan, la Côte d'Ivoire n'est pas encore terminée. Nous n'en voulons plus de plus au Burkina Faso. Et qu'ils nous aident à demander, qu'ils aident la population burkinabé, qui a vraiment souffert de ces règnes, de demander à Blaise Compaoré de s'en aller l'année prochaine.
C'est le message que nous avons et ça nous fera plaisir si Ben Ki-moon respecte. Et ici, vraiment, il aime le peuple, tout le peuple du monde. Il va commencer par montrer son amour au peuple burkinabé. Le bon.